Bonjour Switch, il y a quelqu'un? Bruno, tu es là aussi? Je crois que oui, où es-tu? Je ne sais pas, c'est mouillé et humide ici. Essayons d'enlever le sac de nos têtes. Les gars, c'est horrible, mince. Vous comprenez que nous sommes dans une piscine vide avec des sacs sur nos têtes, en plus attachés, et la piscine va sans doute se remplir d'eau. Satik! C'est pas cher ou quoi? Mais vous êtes là aussi? Mais pourquoi nous sommes là dans cette énorme piscine? Je comprends rien! Je ne sais pas! J'étais en train de jouer à stand-up, puis il a fait nuit, et me voilà! Les gars, mes mains et mes pieds sont attachés avec des liens! Artyom, mes mains sont attachées aussi! Seulement j'ai une sorte de corde! Et moi, j'ai du scotch sur les poignets, et en plus, j'ai le cul mouillé, hein! Les gars, on se calme! Nous devons absolument trouver un moyen de sortir d'ici immédiatement, c'est sûr! Artyom, regarde! Les gars, je ne sais pas comment nous avons atterri dans cette piscine vide, mais quelqu'un veut apparemment nous aider et nous donner une chance de sortir d'ici. En fait, j'aurais pensé que c'était Pacha Chirei, mais vu qu'il était assis à côté de nous, ce n'est probablement pas Pacha. Ici, nous avons des pinces coupantes, des pinces simples, un tournevis, un couteau, c'est une sorte de plastique, et un crayon. Je vais essayer de t'ouvrir avec celui-là. Pourquoi pas avec un crayon? Fais attention, s'il te plaît. Oh oui, j'ai les mains libres maintenant. Donc maintenant, je vais libérer mes jambes, et je peux libérer vous tous. Les gars, c'est sûr. Oh, tu as du ruban adhésif, je pense que c'est mieux avec du plastique. Oh, mais ça a l'air de plutôt bien marcher, en fait. Oh. Peut-être, regarde, pâche. Non, tire pas. Peut-être que c'est mieux de laisser comme ça. Écoute, ouais, laisse-le comme ça et pour toujours, allez. Les gars, pourquoi vous ne me détachez pas, hein? J'ai des cordes sur les mains. Oh, mon Dieu, les gars, quel plaisir d'avoir les mains libres. Oh. Oh, jetons un coup d'œil maintenant. Comme vous l'avez peut-être deviné maintenant, c'est celui qui sort le dernier d'une piscine qui se remplit challenge. C'est fou! Et nous allons passer 12 heures dans cette piscine qui se remplit aujourd'hui. Et nous devons en sortir d'une manière ou d'une autre. Et si nous... Oh, ça commence à se remplir! Et l'eau, elle est chelou ou quoi? C'est juste glacé, touche là. Oh, c'est vraiment glacé, les gars, vraiment, je te jure. Artyom, la piscine commence à être pleine d'eau. Et je pense que très bientôt, elle sera juste là, mec. Juste là. Les gars, je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir dans cette piscine, car il n'y a que de l'eau froide qui sort de ces robinets. Vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Pourquoi est-ce que ça continue à fuir? Oh mais ça va marcher ou quoi? Les gars, il y a un sort de challenge sur nous. On dirait que ça doit être fait pour que l'eau continue à couler. D'après ce que j'ai compris, c'est un défi à celui qui fera éclater le plus de ballons. Les gars, regardez! Quelqu'un nous a jeté deux nerfs, de plus avec des cure-dents. Ils peuvent probablement être utilisés pour briser ces ballons. Faisons une petite compétition pour voir qui peut toucher le plus de ballons maintenant, être le meilleur tireur dans ce western humide. Alors, on va juste faire 6 essais et pas plus. Ok, Bruno, donne-moi le pistolet. Ok. Manqué. Je pense que tu dois te rapprocher un peu. Oh, premier point. Je suis en fait un professionnel, les gars. Regardez. Tu l'as pas eu. Encore un dernier coup. Vous avez vu comment ce cure-dent s'est envolé de la balle? Mince, mais c'est pas juste du tout. Bon, alors c'est moi qui vais essayer de tirer. Les gars, vous avez aussi remarqué que Bruno a trop bien commencé et maintenant il est vraiment en train de faire n'importe quoi. Ok, encore un tour. Boum! 4 boules ont réussi à éclater. J'ai changé d'arme et maintenant je suis prêt à tirer, vous allez voir les gars. Bloupé. Les gars, je ne pense pas que Pachka sera capable de frapper du tout. Ouais, je pense que ça va être comme ça, ouais. Wow!
Ok les gars, pour moi, personnellement, j'ai deux succès. J'en ai eu deux aussi les gars. Et j'en ai deux pour deux, quatre. Et ça fait que Bruno devient le meilleur tireur du Far West. Non, j'ai gagné ce défi bien sûr, mais j'ai gagné quelque chose ou juste pour... Pas possible. Ils ont donné ce délicieux café chaud dans cette piscine froide. Apparemment, celui qui gagne les épreuves reçoit toutes sortes de bonus de la part de l'opérateur. Il est tellement chaud que je pourrais tenir au moins une heure ici. Oh, il se passe plus tard, il se passe quelque chose. Que l'eau a de nouveau commencé à remplir notre piscine. On devrait peut-être essayer ta tactique. On devrait arrêter maintenant. Bruno, jouons selon les règles. Celui qui sort le dernier gagne 1000$. Pendant l'épreuve, l'eau va arrêter de remplir cette piscine. Eh bien, il y a une période où elle se remplit d'eau glacée. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement d'attendre le prochain défi. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais la piscine continue toujours de se remplir. Il y a environ 2 divisions de remplis ici. Et ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de plus. Elle s'est remplie de 2 divisions sur 12. Au total, combien de divisions reste-t-il? N'oublie pas d'écrire dans les commentaires. Étant donné qu'une piscine pleine est à peu près de cette taille, jusqu'à mon cou, et que je ne sais pas du tout nager, et je pense que l'eau serait jusqu'à mon cou, mais l'eau froide me donne des crampes aux jambes. À cause de cela, je ne pourrais pas du tout me tenir debout sur elle. Je vais juste tomber et commencer à me noyer. L'eau s'est arrêtée et maintenant la piscine ne se remplit plus. Ce qui signifie que le temps est venu pour le deuxième défi. Les gars, je sais pas, on est venu me chercher à l'école, mec. Je n'ai pas eu le temps de me changer, je n'ai pas de chaussures. Et si le concours continue, je n'aurai pas de pantalon sec et je devrais rentrer chez moi complètement à poil. Donc je préfère pas le porter et me mettre tout de suite à poil, quoi. Voilà, sinon j'aurai l'air d'un con. Je vais probablement soutenir Pacha sur ce point. Fais voir, je vais t'aider dans le vestiaire. Pas besoin. Donne-le ce pantalon. Pourquoi j'en ai pas mes... J'enlouvrai ce pantalon moi-même. Bruno, mais pourquoi tu m'as poussé? Moi, je voulais juste t'aider. J'étais juste en train d'enlever mon pantalon, Artyom. J'aurais pu le faire moi-même. Tu nous as tous mis dans ce liquide froid, hein. Merde, les gars, je pense que Bruno et moi avons le moins de chances de gagner maintenant parce que nos vêtements sont absolument tout mouillés. On va les sécher maintenant. Oh, ce café est un vrai sauveur dans ce bain glacé. Je peux en avoir? Attends. Mais juste une gorgée. Les gars, savez-vous que pour faire pousser des grains de café pour seulement une tasse de café, il faut 200 litres d'eau. Sais-tu ce qui est plus facile? Quoi? C'est plus facile de descendre en dessous de cette vidéo et d'appuyer sur le bouton rouge d'abonnement. Bien sûr, si tu ne l'as toujours pas encore fait. Je pense que c'est vraiment plus facile. Juste 2 clics et tu t'abonnes. Tu n'as rien à faire pousser. Les gars, je ne comprends pas. L'eau s'est arrêtée et il n'y a pas de défi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? J'ai compris. Nous devons participer au Battle Flip Challenge maintenant. Mais pas le normal, celui de l'eau. Attendez, il s'avère que celui qui peut jeter le plus de bouteilles sur cette plateforme va gagner quoi? La possibilité de se réchauffer. Ok, laissez-moi y aller en premier. Ah bah. Et... Wouh! Quoi? Quoi? Et... Je l'ai presque eu, mais ça a glissé. Et encore? Dernière bouteille, les gars! Pour sûr. Je serai le prochain. Mais je ne sais pas comment le faire. Les gars, c'est la dernière bouteille. Je ne l'ai pas touché même une fois, même pas une seule fois. Bon les poteaux, maintenant c'est à moi de jeter la bouteille, c'est parti. 1, 2, 3.
Allez. Faut que je pense. Faut que j'arrive à me concentrer. Le défi est terminé, donc l'eau devrait être ouverte maintenant. Et j'ai 0 points. Et Bruno et Pashka ont 1 point chacun. Je suppose que vous allez vous réchauffer dans le sauna. Combien de temps pouvons-nous y rester? Ouais, par exemple, disons 2 minutes, ça va? Allez, 2 minutes et ensuite on y retourne. Allez, c'est parti. Bon allez, avance, avance, j'en ai marre d'attendre là. Oh, t'as bien fait, parce que sinon tu peux te faire niquer avec ça. Oh putain, c'est chaud. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la piscine a recommencé à se remplir d'eau froide et les garçons sont assis dans le sauna. Je comprends très bien qu'ils le méritent vraiment. Ils ont pu faire le bottle flip. Mais bon sang, qu'il fait froid ici. Au moins, il y a cette lampe qui brille sur moi et qui me donne un tout petit peu, mais un peu de chaleur. Maintenant que j'y pense, mon frère, nous sommes sur le point de revenir du bain chaud dans cette piscine super froide. Mais ça va être tellement bien, je pense, parce que les températures contrastées vont juste nous remonter le moral. Nous allons activement réaliser tous les défis. Je pense que la situation sera un peu inversée. Parce que maintenant, nous sommes dans le confort, dans la chaleur, et là-bas, il y a de l'eau glacée. Mais je pense que le principal, c'est qu'on a un avantage de toute façon. Au moins nous sommes réchauffés à l'intérieur et Artyom est toujours dans cette putain d'eau froide et nous allons faire pendant 7 heures et bientôt il va juste abandonner, c'est sûr. Allez, ouais, il va perdre. Allez, bah ouais. Depuis combien de temps on est assis ici? Écoute, je pense qu'il est temps de sortir, ouais. Putain, j'ai glissé, mec. Artyom est déjà en train de nager là-bas. Je dois vérifier s'il est vivant ou pas. Artyom! Artyom! J'ai glissé. Moi, oh, j'ai glissé. Alors, comment vous trouvez l'eau? Putain, les gars, c'est trop froid! C'est trop froid, vraiment! Toujours pas de challenge! La piscine se remplit et se remplit! J'ai déjà versé de l'eau sur Pashka et sur Bruno, mais il n'y a toujours rien à faire! C'est probablement pour moi, pour que je ne me noie pas, les gars! Mais Bruno, mais ce n'est pas assez profond ici! Aïe! Mais qu'est-ce que... Mais à mon avis, ces balles, elles sont pas là pour rien. Allez, on a qu'à jouer avec elles, non? Les gars, et si nous essayons juste de voir qui peut lancer le plus de balles dans ce cercle juste derrière moi? Non, 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 c'est mon cercle, c'est mon transport. Bruno, laisse tout le monde jouer. Ce n'est pas seulement ton cercle. Il est à tout le monde et on a pied. Ouais, regarde, je ne peux pas toucher le fond. Wow, wow, allez, on commence tous le jeu. Les gars, maintenant nous sommes à l'autre bout de la piscine et nous avons chacun un ballon de basket. Et essayons tout de suite chacun de toucher le beignet qui est juste en face de moi. Très bien, je peux le faire maintenant. Ah, bien lancé. Maintenant, les gars, je peux certainement réussir la deuxième fois. Alors, combien de fois? Combien de tours? Trois? Trois tours, ok. Hop. Non, les gars, c'est beaucoup plus drôle d'être dans la piscine. C'est classe, quoi. Hop. Boum. Trop bien, mec. La balle de Bruno, elle nous gêne tous, là. Pow, 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 pow. Bien, mon coup. Ouais. Ah, ouais. Deux coups! Allez, je vais essayer de faire un deuxième lancer pour voir. Oh, j'ai rien touché! Oh! Est-ce que je peux recommencer? Les gars, j'ai gagné, donc le cercle est à moi, ok? D'accord, on peut avoir quelque chose d'autre? Oh la vache! Mais qui c'est qui a gagné? Alors c'est pour qui? Allez, ça? Allez, Pashka, on va partager avec toi. Et Bruno? Il a choisi le cercle. Ah. Je peux avoir un morceau de chocolat aussi? Et je te donnerai un morceau du cercle. Donne-lui un petit peu, il racontera tout à ses abonnés plus tard, c'est un foutu rapporteur. Artyom, il y a un peu bizarre aujourd'hui. Oh regardez les gars, il y a de l'eau qui est montée jusque là. Bientôt elle couvrira complètement les trous. Ce sera un peu chelou quand même. Écoute, j'ai une demande. Wow, t'as un cheveu de femme ici. Quel genre, une femme? Ouais. Ah, c'est ce nana qui me sautait par dessus, ouais. Ah, les gars, les gars, les gars.
Qu'est-ce qu'il y a, Page? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon doigt dans la lampe et il y a eu un court-circuit et j'ai décidé de vérifier et je me suis électrocuté. C'est pas possible, Pacha. Oh la vache. Attends, donc tu as mis tes doigts dans cette lampe et tu as été électrocuté? Oui, c'est exactement ça. Pache, tu te fais toujours électrocuter? Je trempe, tu me sens, regarde. Je suis comme Pikachu en fait ou quoi? Ok, écoutez, nous avons besoin d'une distraction. Faisons un jeu pour voir qui peut retenir sa respiration le plus longtemps sous l'eau. Ouais, allez Artyom, c'est une bonne idée. Et le défi est super intéressant. Même s'il y a beaucoup d'eau les gars, mais regardez comme c'est profond. Et Bruno se repose toujours sur son cercle. Ce n'est pas juste au moins. Alors, on va jouer ou pas? Alors, qui va te chronométrer? Laisse-moi le Très faire. Très bien, vas-y Artyom. Et moi et Pacha allons plonger dedans. 1, 2, 3. Pacha est comme une crotte. Et Bruno est normal, on peut même le filmer sous l'eau. Il a une tache bizarre sur la tête, tu vois? Écrivez-le, est-ce que c'est normal? Il a tous ses cheveux blonds maintenant et une tache sombre. C'est Bruno qui a gagné et il est finaliste. Donc je vais me mesurer à lui maintenant, les gars. 1, 2, 3. Qui c'est qui a voulu me chatouiller? Ben, juste pour m'assurer que tu ne t'éloignes pas à la nage. T'as fini le premier, Artyom a gagné. Oh, cool! Et qu'est-ce que j'ai gagné? Pas possible! C'est une combinaison de plongée! Est-ce qu'on peut avoir un prix pour la deuxième place parce que Bruno est tellement déçu? Allons le rendre heureux. Bruno, ne t'énerve pas. Ils t'ont donné un prix pour la deuxième place. Il n'y a jamais eu de deuxième place. Donc vous avez reçu un prix pour vous et moi? Oui, et moi. Parce que nous sommes une équipe tous les deux. Ça te va vraiment très bien, c'est super. En plus, il y a des palmes sur le dessus. C'est comme si quelqu'un me tirait la tête tout le temps, mec. Ok les gars, laissez-moi me mettre mon cadeau. Comme vous avez pu le remarquer, notre piscine est presque pleine. Et ce n'est pas du tout une blague. Regardez, il nous reste 1, 2, 3, 4 divisions. Et personne n'est encore sorti. Car tout le monde est fort et va se battre pour gagner. Au fait les gars, c'est bien que j'ai une combi. Je peux en quelque sorte supporter ce froid. Pacha semble avoir une couche supplémentaire et Bruno, je ne sais pas comment il le supporte. Vous savez les gars, malgré tout mon gras, je sens que tous mes organes internes ont froid. Artyom a beaucoup de chance avec son cadeau. Sa combinaison est tombée au premier endroit. Mec, mince, il fait si froid dans cette piscine. Trouvons une sorte de micro-défi pour se réchauffer un peu ici. Mec, faisons la course de ce coin-là à ce coin-là. Et voilà les gars, prêts à y aller? 1, 2, 3. Voilà. Je suis le premier! J'ai perdu! Les gars, vous avez regardé qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Oh putain, c'est quelques boîtes de conserve fermées avec des numéros dessus! C'est vraiment des sortes de boîtes! Oh, je pense que c'est une sorte de nouveau défi! Il y a 10 boîtes de conserve en face de nous et si vous y faites attention, chaque boîte a une serrure et il y a un numéro! Il nous reste à savoir où on peut trouver la clé! Ouais, c'est vrai, où est-ce qu'on peut trouver cette putain de clé? Hein? Je comprends. J'ai compris! Elles sont toutes sous l'eau! Et nous avons besoin d'un instrument pour y aller, comme celui d'Artyom, quoi! Alors, je propose que chacun son tour, avec un seul souffle, nous nageons sous l'eau et récupérons les clés dans ces bocaux. Je vais commencer, d'accord? J'ai récupéré une.
4 clés, les gars. Maintenant, qui va être le deuxième? Moi, je vais le faire. J'ai trouvé deux autres clés, mais j'avais pas assez d'air, quoi. Je suis prêt à plonger. J'ai trouvé 4 jeux de clés et c'est tout, je crois. Jetons vite un coup d'œil rapide. Peut-être qu'il y a des bonus là-dedans qui vont nous vraiment faciliter la vie. Ok, j'ai des clés avec le chiffre 3 et le chiffre 6, ouais, et 9. Et l'une pourrait contenir quelque chose d'hyper cool et l'autre quelque chose de pas mal du tout. Il y a ce bocal sous le numéro 3. Oh, il n'y a rien là-dedans, c'est exactement... Oh, attends, c'est le chiffre 3. Oh, allez, c'est quoi le problème? J'ai plongé pour rien ou quoi? Pacha, arrête. J'en ai marre de ces histoires. Moi, de toute façon, les gars, je joue plus avec vous. Moi, j'en ai marre. De quand? Allez, cassez-vous. On vient donc rester que tous les deux. Voyons ce qu'il y a dans mon bocal. Oh, et j'ai reçu un coca glacé. Un coca glacé dans une piscine glacée? Ce n'est pas un super prix, hein? J'ai du thé chaud. Je vais prendre un coca glacé et ensuite un thé chaud. Vide. Les gars, il me reste donc une dernière clé et j'ai des très grands espoirs pour elle. Des chips! Sois trop cool, les gars, regardez! Et il s'avère que j'ai gagné des chips, un coca glacé et un thé chaud! Bon sang, il y a des prix à gagner ici! J'ai 4 canettes aussi! Je vais avoir tellement de prix, hein! Alors... Il n'y a rien ici. Alors que Bruno n'a rien eu, je suis déjà en train de manger des chips. Oh la vache, regarde, je crois que t'as des chips dedans. Merci Artyom. Bon, je vais y aller maintenant. Il n'y a rien. Vite. Il reste juste le dernier. Bon, c'est cette canette. Les gars, j'ai des biscuits. Et j'espère qu'ils sont chauds, parce que j'ai vraiment envie de me réchauffer dans cette piscine. C'est comme ça, les gars. C'est pas vrai. Merci. Est-ce que je peux la réchauffer un peu? Et j'ai encore du coca. T'en veux? Vas-y! Voilà, tiens, les amis doivent toujours s'entraider. C'est parti pour la farce! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Salut à tous, chers amis, Harry Schneff est avec vous et c'est la 5e vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau, mais Safik 1-2-3-4 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exit, mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème, les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant on sait pas du tout ce qui lui arrive quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde, quoi? Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche, tu t'en souviens? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin quoi en fait. Et nous devons sauver William Bruno, il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 50 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik.
Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde, le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. On devait le chercher tout de suite, le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. Okay. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic X. Vous vous rappelez ou pas, les gars? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un essayait de nous arrêter. Sérieux, regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même SCP un micro base. Ici, ici. Plus on se rapproche de la base SCP et plus le drone bouge, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs, je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Rick, fais attention à ce qu'il tombe pas. Safik, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez, waouh, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, oh, attends. Quoi, les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain? Oh, silence. Notre drone. Non, on a vu quelqu'un là. Pas mal, putain, on comprend les rien. Les gars, vous voyez son visage? Regardez, il part dans le noir là. C'est vraiment genre un scientifique, mec, je te jure. C'est écrit entrée juste ouais, là, non? Ouais. L'entrée, une flèche. C'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous ou quoi? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno parce qu'il a un cartoon quête à l'intérieur de lui. Ok, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh. Safik, regarde ça! Regarde, ils ont toute une base militaire, là! Tu te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments? Regarde, on est là, et tu vois, on est seulement entouré de buissons, et il y a déjà une base SCP! Ces soldats, celui-là, là, et là, et ils sont juste à côté de nous, les gars! Alors, nous devons être aussi silencieux que possible! Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller, et pour l'instant, le drone va être devant nous! Safik, regarde! L'organisation SCP, passage interdit. Safik, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safik, qu'est-ce qu'il fait? Il a fixé quelque chose? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone. Safik, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein! Alors, qu'est-ce qu'on a? Un panneau, deux soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils le tiennent par force et il est censé torturer notre ami William Bruno. Je pose le drone, rangeons le drone, retournons à la voiture, chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, attends, mets ton étendue de camouflage pour ne pas être vu, parce que je suis aussi brillant que flou, moi, je suis n'importe quoi. Alors mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe. Je te t'approche pas, attends, c'est un camouflage, mais on voit quand même, putain, t'es chiant, vous bordel. Safik, il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. Ah, on s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout. En quel sort, s'il te plaît, et remonte pour ton lot, bordel. Allez. Les gars, regardez-moi ça là! Organisation SCP, le passage interdit! Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'SCP! Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain, allez, vas-y! Essayons de courir jusqu'à la voiture! Il prend le même chemin, alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture! Mais je pense qu'on peut courir un pas pour la sécurité, mais nous devons le faire tous les deux, bordel, allez! Safik, regarde, le chef, il dit quelque chose à la radio. Tiens, regarde, il y en a qui s'en va là-bas. Et l'autre se retourne. Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain. Safik, c'est notre chance, courons. Allez. Fais attention, s'il te plaît, hein. On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP. Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté. Je vais pêcher, quoi, allez. Attends. Il y a quelques mètres de nous, les gars, je vous assure.
On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous. On a vraiment peur maintenant. Alors on va faire comme ça. Vous allez mettre un like sous cette vidéo là. Et moi, je vais courir à travers ce soldat SCP. S'il vous plaît, ça va vous prendre une seconde. Allez. Allez mon gros, s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande. Essayons de le distraire là. Allez. C'est qui là? Il y a un panneau là, regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP. Si ça se trouve, on aura des images de drones ici. Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée. Bah alors il faut faire super dismant, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer. Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux. Dangereux, c'est un soldat SCP. C'est quoi ces bruits là? Il a failli nous avoir. Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là. Je crois que c'est au troisième étage. Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins. Attention. Il y a un autre soldat SCP juste à côté. Essayons de passer. Merde. Moi, je pense qu'il n'y a personne. Il est là, juste là, regarde, fais pas de bruit. Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr. Je vais le distraire. C'est ça, va-t'en. On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon. Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire. Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire. Quelque chose? D'accord. C'était une blague, c'était une blague, bordel. Toi-même la blague. Je suis ici, il sort pas avant, putain, c'est la merde. Ok, ça fait qu'essayons de lancer une pierre comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent. Y'a qui là? Ça fait que c'est notre chance, viens. Regarde, il y a un autre soldat SCP là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il regarde quelque part, on dirait. Il a failli nous remarquer. Il faut s'éloigner de ce passage de merde. Il y a deux soldats juste là-bas, mec. Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près. Safik, je n'aime pas trop ça. Oh putain, on dirait que c'est Cartoon Cat. Je n'ai aucune idée quelle est cette créature. Mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil. Safik, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là. C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit. Regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Safik, viens par là, allez! Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi! Safik, oui, il est, hein! Silence. Les gars, regardez, il y a deux soldats SCP! Ils négocient quelque chose! Safik, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin, c'est là qu'ils retiennent William Bruno! Il faut le sauver, allons-y là-bas! Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'ils nous repartent trop loin! Safik, ils sont partis par là! Ah, Artyom, attends! Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber! Les gars, regardez ça! Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre. Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose! Rapport numéro 3748. Aujourd'hui, nous allons essayer des nouvelles expériences sur William Bruno. Nous allons lui intégrer l'ADN de Cartoon Cat. Attention!
Ils ont attribué un numéro à William Bruno et font des expériences sur lui. Il faut le sauver. Allez, 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 William Bruno, nous voilà. Ça fait qu'on court, allez. Tu vas nous pousser, putain, tu vas nous cramer, bordel, allez. Safik, regarde, je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là. Il y a au moins 5 étages. Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible. Fais attention. Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite. Bon, je vais voir combien ils sont, mec. Ils sont deux. J'ai un plan. Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et émet un son. Si une personne accepte de nous aider, maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno. Je laisse mon téléphone quelque part ici. Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit. Les soldats SCP réagiront et viendront ici, là. Attends, mais on est là maintenant, quoi. On monte à l'étage. J'ai un filet ici, justement. Et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça. Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge. Les gars, j'espère que vous allez nous aider. Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir. Dépêche-toi, vite, il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire. Lance-le! Prends le téléphone! Ouais, attends, je prends le téléphone! Soldat SCP, tiens! Les gars, merci beaucoup pour votre aide! Voilà. Wouah, Safik, regarde ça! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP. Mais il est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait... Mais c'est Cartoon Cat, comment on dirait. Mais regarde mieux, ce n'est pas Cartoon Cat. Peut-être que le public connaît le nom de cette créature. C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP. Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature. Mais d'abord, nous allons aider à Bruno. Oh, reste là. SCP, attrapez-le. Oh, chut, chut, chut. Il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain, bordel. Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruno. Non, arrêtez, vous allez me tuer. Safik, c'est mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans. Tom, tu vois ça? Laisse-moi sortir! Mince! Je crois que c'est la fin! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruno dans une cage et le scientifique? Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment, je vous jure! Lâche-moi! Mince! Là! Et sa vie! Je vais mourir. Est-ce qu'on t'a enlevé ce carton de quête ou pas? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion verte dans le bras. Les soldats SCP, les gars, reculez, allez. Piégés là. Les gars, de ce côté, c'est Sonic Exy, et de ce côté, il y a les soldats SCP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gars, on n'a pas le choix. On fait demi-tour.
mieux. C'était une explosion. Faut se tirer d'ici, les gars. Allez, 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 allez. Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller. Allez, Artem, allez, allez, Zabik. Oh, merde, il faut y aller. On y va. Bruno, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Quel genre d'expérience ils ont fait sur toi? Je ne sais pas, Artem, j'étais inconscient la plupart du temps. Mais quand je me suis réveillé, les soldats SCP ont fait des expériences sur moi et ont essayé d'extraire le Cartoon Cat de moi et... Sale humain! Comment vous avez fait ça? Mince, on dirait qu'ils n'ont extrait que la moitié de Cartoon Cat et l'autre moitié vit toujours en moi. Je déteste ça, je déteste ça, je déteste ça. Comment ils ont fait ça? C'est presque impossible à contrôler. Ou plutôt, on peut le faire, mais c'est très difficile. On dirait que Cartoon Cat est avec moi pour toujours maintenant. Les gars, il faut se battre contre cette organisation SCP. J'ai même travaillé avec eux et je pensais qu'ils étaient nos amis. Mais il se trouve qu'ils font des expériences cruelles sur Bruno. Alors les gars, si vous voulez une nouvelle vidéo sur Cartoon Cat, assurez-vous de mettre 150 000 likes sous cette vidéo. Merci de m'avoir sauvé. Et vous les gars, cliquez sur cette vidéo. Parce que, c'est probablement la dernière vidéo de ces gars-là. Vraiment, cliquez sur la vidéo, c'est vraiment cool, je l'ai regardé moi-même, j'ai adoré. Alors cliquez sur cette vidéo, allez-y.